Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishma, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batreina, et Solvanish le Bet Tarab. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maseret Nazir, Perek Bet Mishnah Tet. Areni Nazir, Ben Nazir, Cheye Li Ben, Itril Mone et Chelo, Vacharkach Nolad Lo Ben, Mashlim et Chelo, Vacharkach Mone et Chelbno. Areni Nazir, Cheye Li Ben, Ven Nazir. Itril moné et chelo, vachakach nolad lo ben, maniach et chelo. Ou moné et chelbeno, vachakach mashlim et chelo. On continue le sujet ouvert maintenant depuis la Mishnah Zain, de celui qui prend sur lui un vœu de Nézirut lorsqu'il aura un garçon. Mais cette fois-ci, cette Mishnah-là et la prochaine Mishnah, elles vont ensemble. On va parler qu'en fait, il va prendre sur lui deux Nézirut. Il a dit, premièrement, je veux être Nazir, vous savez d'ailleurs. On va pas trop en jeu pour rien. Premièrement, je veux être Nazir. Je prends sûrement un vœu de Nézirut. Mais en plus de ça, quand j'aurai mon fils, je prendrai une deuxième Nézirut. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Si sa femme, elle va ensuite accoucher dans 4 mois, 5 mois, il a pris Nézirut 30 jours, il finit, il apporte ses corbanotes, et quand sa femme, elle accouche, il apportera aussi ses corbanotes, il n'y a aucun problème. Il y a deux Nézirut distinctes. Tout va très bien. Le problème, il va se présenter lorsque une va chevaucher l'autre. Soit il prend sur lui une Nézirut tout de suite, il compte 18 jours, 20 jours, et sa femme accouche. Et maintenant, en théorie, il a dit, dès que mon fils est né, je dois prendre une Nézirut. Qu'est-ce qu'on fait avec les deux Nézirut? Comment est-ce qu'on va les gérer toutes les deux? Et ouais, il va y avoir concrètement deux situations qui vont faire trois. Deux situations, d'abord, on s'intéresse à savoir, quelle Nézirut a-t-il reçu d'abord? Je traduis directement la Mishnah maintenant, vous allez comprendre le cas tout de suite. Areni Nazir, Ve Nazir Kshayye Li Ben. Je prends sur moi un vœu de Nézirut, et un deuxième vœu, une deuxième Nézirut. Lorsque j'en viens sur d'abord consacré, je voulais préciser, je sais qu'on a déjà appris, mais quand même, il vaut mieux le dire en avant, d'abord. Lorsque je prends sur moi de prendre deux Nézirut, ça signifie que je deviens Nazir pendant 30 jours, je me laisse pousser les cheveux, je ne m'impurifie pas pour les morts, je ne bois pas de vin, je finis ma Nézirut, je vais au Bet Hamikdash. Je me rase la tête, je fais le korbanot, et je prends sur moi la deuxième Nézirut, parce que j'ai pris sur moi deux Nézirut et rebelote, je fais deux Nézirut comme ça, deux fois 30 jours de suite. Entre parenthèses aussi, je peux aussi prendre deux Nézirut de 70 jours, si je veux par exemple. Donc je fais 70 jours, je finis, après je prends une deuxième fois 70 jours. D'accord? Ça c'était la pré-introduction. Alors maintenant, selon ce cas-là, lui il a pris sur lui pas deux Nézirut une après l'autre, il a dit une Nézirut tout de suite et une Nézirut lorsque j'aurai mon fils. Et ce qui se passe, c'est que quoi? Il trine mon Nézirut, donc il a pris sur lui une Nézirut, il a commencé à compter sa Nézirut, il a compté déjà 20 jours, par exemple. Vachakach nolad lo ben, et puis au 20e jour, il a son fils qui naît. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors la Mishnah, il n'y a aucun problème pour le moment. Mashlim et Chelo, qui complète sa première Nézirut, Vachakach mon Nézirut, il complète sa première Nézirut, et ensuite il comptera la Nézirut de son fils, parce qu'il a dit d'abord, je prends une Nézirut sur moi, et en plus une Nézirut lorsque ma femme elle accouche. Lorsque ma femme accouche, je ne suis pas disponible pour devenir Nazir, et bien on attend que je devienne disponible, que je finisse ma première Nézirut, et on commencera la deuxième, et tout va très bien pour le moment. Dans quelle situation ça se complique? S'il a dit, « Areni Nazir Kshayeli Ben, premièrement, je prends un vœu de Nézirut lorsque j'aurai un garçon, donc celle Nézirut-là, de lorsque ma femme, dès que ma femme elle accouche, j'ai le garçon qui est né, elle est Nézirut, c'est la Nézirut prioritaire. Maintenant, et en plus, ça, Ve Nazir, et j'ai pris aussi un autre vœu de Nézirut, j'ai pris aussi deux vœux de Nézirut. Un, premièrement, lorsque ma femme accouchera, je prends Nézirut. Mais si déjà, je commence déjà aussi une première Nézirut, et finalement, je commence à compter un certain nombre de jours, et puis, au 18-20, ma femme accouche. Donc maintenant, puisque dans l'ordre de mon vœu de Nézirut, j'ai pris en priorité la Nézirut de lorsque ma femme accouche, quoi qu'il arrive, dès que ma femme accouche, je dois commencer la deuxième Nézirut. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec les premiers? Il y a plusieurs situations. J'ai compté 20 jours. Soit on va dire, ah ben non, tu t'arrêtes, tout s'annule. Soit dire, non, ça s'annule pas. Tu gardes, mais ça va s'additionner. Et dans quelle situation? Et c'est sur ça, maintenant, où il va y avoir deux cas de figure. Il y a un cas où j'ai pris juste une Nézirut de 30 jours. Mais il y a aussi un cas où j'ai pris une Nézirut de 150 jours. 100 jours, ça va être le cas de la prochaine Mishnah, en l'occurrence. Et là, on fera des différences, mais on laisse ça pour la prochaine Mishnah. J'ai juste voulu éveiller la problématique qu'on aura dans la prochaine Mishnah. Mais je reviens pour le moment, il a pris de manière simple, il a juste dit 30 jours pour le moment. Il a dit 30 jours, et donc il commence à compter 18. Sa femme accouche, il doit quoi qu'il arrive faire là maintenant la Nézirut, la deuxième Nézirut. Sa deuxième Nézirut maintenant, lorsque son fils naît. Après, qu'est-ce qu'il en fait
pour le moment, il va l'achever. Alors maintenant, on a deux situations, deux possibilités. Et ça va être une marque qu'elle va mettre dans le Mefarshim. Je vais d'abord lire la Mishnah pour voir la directive de la Mishnah, et puis après on va l'expliquer de deux manières. Areni Nazir, Chali Ben, Venazir. Je prends sur moi un vœu de Nazirut lorsque j'aurai mon garçon, et en plus, un deuxième vœu de Nazirut, à commencer tout de suite, même si nécessaire. Itril Moniat Shalou, il a commencé à compter sa première Nazirut, la sienne. Vachakach Nolad Loben, et puis après, le petit est né. Maniyar et Shalou, il devra laisser de côté sa propre Nazirut. Ou Moné et Shelbeno, et il compte la Nézirut de son fils. Ve acharkach mashlim et Shelo. Et après, il devra compléter sa Nézirut. Voilà les mots qui sont dits, et je vais l'expliquer de la manière simple d'abord, et puis après on expliquera la deuxième expression selon Rambam, qui sera en fait une introduction à la prochaine Mishnah. Il commence donc, on a dit, il commence à compter ses 18 jours, sa femme accouche, tu laisses ton compte des 18 jours, tu démarres maintenant tout de suite un compte des 30 jours. Maintenant, en théorie, il a commencé les 18, ils ne sont pas tombés à l'eau, les 18, il ne s'est pas impurifié, il continue la Nézirut, il a juste un problème, il doit interrompre sans transgresser rien du tout de la Nézirut, donc il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il fait avec les 12 jours suivants? Il lui reste 12 jours à faire. Vous allez me dire, ben c'est quoi le problème? 18 plus 12, ça fait 30, donc ça fait 30, tu fais 60 jours d'affilée, où il y a prise de tête? Il y a une problématique. C'est pas un problème, c'est une question à soulever. De prendre la main, c'est un problème. C'est que lorsqu'il finit la Nézirut de son fils, en théorie, de partir se couper les cheveux. Et s'il doit partir se couper les cheveux, parce qu'il pour apporter les corbanotes, le rituel du Nazir lorsqu'il finit, en théorie, il doit apporter tout de suite son rituel. Et s'il va se couper les cheveux, il va avoir un problème. C'est qu'après, tu vas compléter les 12 jours supplémentaires. Mais lorsque tu vas compléter les 12 jours supplémentaires, tu ne pourras pas apporter tes corbanotes. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'un Nazir va au Beth Amikdash pour apporter ses corbanotes, il lui faut une petite tignasse de 30 jours au minimum. C'est déduit ça des psukim. D'où la différence. Donc, pour le moment, on va l'expliquer simple. D'après Tosfot, ce qui va se passer, c'est que tu commences tes 18 jours, tu laisses de côté ce décompte des 18 jours, tu fais les 30 jours pour ton fils, mais tu ne te coupes pas les cheveux tout de suite. Tu complètes après les 12 jours supplémentaires, et après tu es au Beth Amikdash et tu apportes deux séries de corbanotes. Pas en rapport avec tes deux nézirouillotes. Vous avez compris le principe? Il est simple. Je commence 18, je m'interromps, je fais les 30, je complète les 30, je n'apporte pas mes corbanotes parce que j'ai besoin de ma belle chevelure, et je complète après les 12 jours supplémentaires. Quand j'ai fini, après, au total, j'ai fait 2 fois 60, super, va au Beth Amikdash, apporte deux séries de corbanotes, des corbanotes du nazir, et 3 corbanotes à porter. Tu les apportes, et puis tu te rappelles les cheveux une seule fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'il va marcher pour les deux fois, et comme ça tu t'acquittes. Ça c'est le chat de Tosfot. Et dans la mission précédente, on découvrira quelque chose de plus original, c'est lorsqu'il avait pris un décompte de 100 jours, je vous le dis tout de suite comme ça, quand vous verrez la prochaine mission, ça arrive vite, il a pris un décompte de 100 jours, il a commencé à en compter 60, et puis après sa femme accouche, il devra compter les 30 jours, là il pourra porter les corbanotes, et après s'raser les cheveux, et après, il lui reste 40 jours à compléter, et comme, lorsqu'il finira la deuxième Nézirut, il aura un compte de 30 jours pour les cheveux, il fera ce deuxième Nézirut. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, laissez de côté pour le moment, j'en ai juste besoin par rapport au Rambam. Selon le Rambam, ça n'existe pas que tu finis une Nézirut et t'apportes pas tes corbanotes immédiatement. Donc selon le Rambam, ce qui se passe, c'est que tu commences à compter 18 jours. Tu devras t'interrompre pour faire la Nézirut de ton fils. Tu finis cette Nézirut, tu es obligé de partir au Beth Amikdash. Tu vas au Beth Amikdash, tu apportes tes corbanotes et tu te rases la tête. Tu sors du Beth Amikdash, enfin tu finis tes corbanotes, et tu dois maintenant, en théorie, compléter ta Nézirut. Sympathique, compléter ta Nézirut, ça veut dire 12 jours. Mais 12 jours après, tu n'auras pas assez de cheveux. Eh ben, il n'y a pas le choix, mon ami. Tu reprends 30 jours sur toi. Ouais. Malgré toi, tu seras obligé de compter de nouveau 30 jours. À la différence du cas de la prochaine Mishnah, où il y aura suffisamment dans le compte supplémentaire pour compléter, comme ce qu'on verra dans ta chaîne. Et pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Touv, c'est là.